Julien, vous dressez le portrait de notre invité, la joueuse du international du PSG, Laure Boulot. Laure, vous êtes née en 86, un 22 octobre, journée mondiale du bégaiement. Et on verra que ça n'est pas le fruit du hasard. Le 22 octobre aussi, comme les chanteurs Shaggy et Georges Brassens. Georges Brassens qui vous a rendu hommage dans une chanson. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Oui, alors c'est un boulot, mais peu de gens le savent. Oui, non, je crois que c'est un chêne. Enfin, j'ai voulu tenter le coup. Vous êtes née à Clermont-Ferrand. Si, donc né à Clermont-Ferrand, pardon, Clermont, comme Georges Bess. Eh oui, pas Georges Best, hein. Non, Georges Bess, c'est un grand industriel auvergnat assassiné par le clan d'extrême gauche Action Directe. C'est pas exactement pareil, Georges Best, lui, a été tué par un autre clan, le clan Campbell. Et ça... C'est affreux. Et quand on est à Clermont, pardon, Clermont, on chante quoi? C'est beau, on dirait du foot, mais non, c'est du rugby, désolé. Et oui, Clermont, excusez-moi, mais c'est le rugby. Mais vous, le rugby, c'est plutôt 8 carats sur une monture en or blanc, sinon, non merci. Et oui, bizarrement, vous mettre des emplâtrés dans la tronche sur des champs de patates et finir avec la tête de Valbuena et les oreilles de Lucas Digne, ça vous disait trop rien. Alors vous penchez vers le foot et vous avez du mérite, car je rappelle que vous êtes né en 86. Ça veut dire que pour vous, l'équipe de France à la Coupe du Monde, jusqu'à vos 12 ans... C'est comme les chansons de Julien Clerc, tout le monde dit que c'est génial, mais ça paraît très loin. La victoire en 98 alimentera votre passion du ballon rond. Pour de bon, Elisa Razou vous donnera le goût du poste d'arrière gauche. C'est sûr que si t'avais 12 ans en 2010, c'est pas tes bras et t'avais plus des vocations de chauffeur de bus. Mais donc, vous vous faites vite repérer chez les jeunes, au club de l'Entente Saint-Maurice y Saint-Nio. Oui, oui, Saint-Jo, je sais pas. Enfin, là, Saint-Jo, c'est simple. Alors, tu vois, Saint-Jo, bah, tu, en fait, tu vois Saint-Étienne, tu prends la N88 direction le Puy-en-Velay, au kilomètre 46, bah, t'as la sortie Saint-Jo, bah, tu la prends pas, tu continues tout droit parce que c'est vraiment pourri comme bled, Saint-Jo. Excusez-moi, donc vous êtes repéré pour partir vers la capitale. New York, c'est Paris, c'est la capitale de la France. En plus, New York, c'est même pas la capitale de New York, c'est quand même très con, les Américains. La capitale de New York, c'est Albany. Or que la capitale de l'Albanie, c'est pas New York! Qu'est-ce que je raconte? On s'en fout. Vous rejoignez donc Clairefontaine. Clairefontaine, nos plus belles années. Pas vraiment, non, pas encore. Les plus belles années arrivent après, avec votre premier club, le Paris Saint-Germain. Non, vous jouez pas au parc, vous jouez à Charletti. C'est plus ça. On vous repère aussi, car vous êtes considéré comme une des joueuses les plus jolies du championnat. Pourtant, vous essayez de prendre des risques avec votre look en tentant des improbables mèches de couleur qui, pour une fille lambda, ferait très vite hôtesse de caisse à Intermarché à Montigny-les-Metz. Mais vous, ça va, ça passe. Vous avez quand même de la chance. Vous signez donc au PSG. Et oui, pourtant, Lyon vous fait les yeux doux. Mais vous, les castings de Jean-Michel Aulas à la Weinstein de Twitter, ça vous dit trop rien. Vous préférez le discret Nasser El Khelaifi. Et là, une carrière de feu. Vice-championne 2011, vice-championne 2013, vice-championne 2014, 2015, 2016. Allez, ras-le-bol d'être vice-championne. Vous en avez marre, vous voyez vos copines, vous dites, les filles, c'est la dernière année, ok? Et paf, en 2017, vous êtes troisième. Du coup, voilà. Mais vice-championne d'Europe 2017. Et là, je comprends le rapport avec Shaggy. Les champions 2011. Et les champions 2013. Et les champions 2014. Et les champions 2015. Et là, l'histoire de ce bégay et l'histoire bégay, du coup, on comprend mieux la journée mondiale du bégaiement. Il vaut mieux être championne du vice que ou vice-championne du monde. On sait pas. Vous êtes pas championne du vice. T'as raison, frérot. Wesh, comment tu l'as bâché? En même temps, vous êtes encore jeune. Et prenez exemple sur l'équipe masculine du PSG, car eux, ils ont bien compris que le meilleur moyen de ne pas perdre une finale de Ligue des Champions, c'est de ne pas y participer. Ouais, allez, bonne soirée. Bravo, Julien Cazard. Europe.